Alors ce projet, en fait, il est né d'un choc. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les hôpitaux n'achetaient plus tout seuls et qu'ils étaient en train de se regrouper massivement, par exemple tous les hôpitaux d'Île-de-France ou tous les CHU, pour acheter ensemble. Nous avons proposé au sein du Clubster que les membres du Clubster se réunissent très régulièrement entre eux pour travailler avec les clients, avec les hôpitaux et travailler avec ces futurs groupements d'achat. Alors le Concept Room est une initiative quand même d'un certain nombre d'entrepreneurs, hein, parce que bon, le Clubster à santé, c'est quoi? C'est un agitateur d'idées, c'est une association qui sert à mettre en relation un certain nombre d'entreprises. Donc de mettre en valeur leur savoir-faire pour dégager de la valeur ajoutée. Et donc là, pour la première fois, lors du salon Hôpital Expo, très bien placé au sein de ce salon, les membres pourront démontrer par le biais de ce concept de chambre d'hôpital innovante toute la force et le travail collaboratif et tout l'intérêt finalement de travailler avec la filière santé régionale. La double présence de cette grappe d'entreprises d'une part et de ce CHRU qui est mentalement disposé à la collaboration qui permet finalement de développer ce projet qu'on veut signer avec finalement ce slogan, voilà, c'est la chambre innovante mais made in Nord-Pas-de-Calais, made by Nord-Pas-de-Calais. Lorsqu'on s'associe à Eurasanté, lorsqu'on s'associe à des entreprises avec Clubster Santé pour innover et réfléchir à ce concept room, c'est bien parce que dans cette relation et cette mutualisation de réflexion entre l'hôpital, le monde de l'entreprise et Eurasanté, il y a évidemment à réfléchir au futur, à réfléchir en prospective, d'où l'intérêt de cette initiative qui a été prise et qui, je l'espère, se concrétisera demain par la Chambre de l'Avenir. Si nous voulons réussir, il faut concevoir quelque chose d'innovant avec nos clients. Donc, il fallait qu'on imagine une chambre qui non seulement soit revalidante, mais aussi une chambre qui soit capable de s'insérer à l'intérieur de bâtiments existants. Le caractère revalidant des soins est un caractère essentiel, je dirais même fondamental, si ce n'est fondateur, à la santé des gens.